Bienvenue sur ce webinaire consacré à vous, auto-entrepreneurs, qui débutez votre activité. Alors la contraction de webinaire, c'est la contraction très simple de web et de séminaire. C'est un dispositif qui permet à un usager, à partir d'un simple accès Internet, d'accéder à une conférence, de poser toutes les questions interactives qu'il souhaite. Pour nous, c'est une innovation très concrètement parce que c'est un service supplémentaire qui est apporté à l'usager par rapport aux canaux traditionnels qu'il utilisait, que sont l'accueil physique, l'accueil téléphonique ou le web. Aujourd'hui, l'avantage qu'on voit vraiment à cette idée, c'est de faire du partenariat, c'est-à-dire par exemple pour un professionnel de santé, avoir un expert de l'URSSAF et de la CEPAM qui vont lui permettre d'avoir une réponse globale aux problématiques qui se posent. L'offre de service webinaire, c'est d'abord une idée qui a été déposée dans la plateforme collaborative interne. Et aujourd'hui, c'est un levier de reconnaissance et de valorisation pour de nombreux collaborateurs, notamment tous ceux qui font de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'interactivité entre les animateurs et les participants par le chat et par les questions qu'ils nous posent, mais aussi entre les animateurs qui peuvent s'interpeller l'un l'autre. Et là, on crée vraiment une communauté et ça, c'est bien. On va faire le point sur les cotisations, sur le forfait social et sur l'ACRA. Après, c'est une fierté quelque part. Oui, c'est une fierté aussi. On sent que les gens interagissent, on est fiers de ça. On sent utile. Voilà. Alors après 40 webinaires réalisés et plus de 2000 participants, les retours sont très positifs de la part des cotisants puisqu'ils peuvent nous apporter des notes, des commentaires sur le service qui leur est proposé. On utilise d'ailleurs aussi ces retours-là pour proposer de nouvelles thématiques pour nos prochains webinaires. L'engouement suscité par nos webinaires fait que demain, la branche recouvrement, l'ensemble des URSSAF ont décidé de généraliser cette offre de service sur tout le territoire et pour toutes les catégories de cotisants.